Au départ des championnats de France de course d'orientation, François Gonon, champion du monde avec l'équipe de France en 2011. Muni d'une puce électronique au doigt et d'une boussole, le licencié de la formation au Jura s'empare de la carte du parcours et s'élance à la recherche de 29 balises. Nous ne le reverrons qu'à l'arrivée. Ces balises, orange et blanche, sont disposées au cœur de la forêt de Moulières. À côté, un boîtier électronique permet d'enregistrer sur la puce le passage des concurrents. Ils sont 2160 engagés sur les 19 parcours dessinés en fonction des niveaux et des catégories d'âge. 15 km² de forêt ont été cartographiés. Un travail de plusieurs mois pour les organisateurs de Poitiers, course d'orientation. Il nous faut vraiment un terrain très technique avec donc là des trous, des bosses, des rentrants, voilà. Et puis après, faire en sorte que les coureurs, à un moment donné, ils courent un peu plus pour se mettre peut-être un peu plus dans le rouge et après les envoyer sur une zone technique. Bref, on essaye d'alterner un petit peu tout le temps ces choses-là. À la croisée des chemins boueux, les rythmes ne sont pas les mêmes. Si certains courent à vive allure, d'autres sont arrêtés, cartes et boussole en main. Des questions plein la tête. On est pas. On est où là? À mon avis, on est à ce croisement-là, hein, il me semble. Hein. Pendant que ces dames jardinent, François Gonon achève son parcours au sprint. 6 km 900 au minimum entre le départ et l'arrivée. Les 29 balises trouvées et un chrono de 36 minutes 50. C'est plus de 11 km/h de moyenne. Le champion du monde a apprécié. Bah c'est bon, j'ai tout et dans le bon ordre. La spécificité de l'orientation, c'est qu'on se déplace beaucoup tout autour du monde et à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau, un terrain nouveau, une carte nouvelle. Et à chaque fois, c'est le challenge, c'est d'arriver à bien interpréter tout ça. Donc aujourd'hui, on a été vraiment gâtés. Les organisateurs ont fait un très bon boulot, une super carte, des bons traçages et beaucoup de difficultés techniques. Donc c'est pour ça qu'on est venu. Donc je suis très content. Content, même battu, François Gonon n'ajoutera pas un 16e titre national à son palmarès. Mais peu importe, les championnats de France de course d'orientation sont avant tout, pour tous les participants, la fête annuelle de la discipline. Non mais...